Alors ici, on a plusieurs figures qui sont tracées ici. Enfin, il y a quatre quadrilatères plus précisément. Un vert, un rose, un rouge et un bleu. Et euh, en fait, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est on va essayer de trouver, on va se concentrer sur la figure verte. Et on va essayer de trouver parmi les trois autres la figure qui a exactement la même aire que la figure verte. Alors je t'engage à, à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le faire de ton côté et à y réfléchir tout seul. Mais maintenant que tu as, j'espère, essayé de ton côté, on va le faire ensemble. Alors ce que je vais faire, c'est déjà essayer de calculer l'air de, de cette figure verte. Et pour faire ça, en fait, je vais la, la décomposer. En fait, je vais la décomposer en plusieurs figures dont je vais pouvoir euh, calculer l'air assez facilement. Alors là, si tu regardes les choses, on voit assez facilement que si on trace des pointillés comme ça, là par exemple, voilà, ici et ici, en fait, là, je découpe la figure verte en, en trois figures qui sont assez simples à, à comprendre, puisque ici, à l'intérieur, je vais avoir un rectangle, hein, donc ça, un rectangle, je peux calculer facilement son aire. Et puis là, j'ai un, un triangle rectangle et là, j'ai un autre triangle rectangle. Donc ça, c'est pratique. Hein, en fait, je vais procéder de cette manière-là et je vais même faire quelque chose d'encore un peu plus euh, euh, pousser un peu plus, c'est qu'en fait, si tu regardes ces deux rectangles, ces deux triangles rectangles, pardon, celui-là, celui qui est en haut. Et celui qui est en bas Eh bien en fait, exactement les, ils ont exactement la même R, hein, puisqu'ils ont les mêmes côtés. Hein. Ça, c'est 1 ici et 1 là. Et là, j'ai un côté qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, et qui vaut exactement la même longueur, qui a exactement la même longueur que celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, ce sont exactement les deux mêmes triangles-rectangles. Et en fait, exactement, chacun d'eux vaut exactement la moitié de ce rectangle que je vais tracer ici. C'est la moitié à chaque fois de ce rectangle-là. Voilà, alors ça je ne sais pas si tu arrives à le visualiser, mais chaque rectangle, chaque triangle rectangle est exactement la moitié de ce rectangle-là. Alors tu pourrais aussi, pour le voir hein, si tu veux, tu peux très bien te dire que tu vas prendre ce, ce, ce triangle rectangle ici, que tu vas le retourner, faire une symétrie par rapport à cette droite-là que j'ai tracée en pointillé, donc tu vas avoir quelque chose comme ça. Voilà. En fait, il va se retrouver dans cette position-là. Comme ça. Et maintenant, tu peux imaginer le prendre et le déplacer comme ça. Et il va se mettre exactement ici. Et tu reconstitues là ce, ce rectangle rouge, en fait. Tout ce rectangle que je vais assurer en rouge. Voilà. Alors, tout ça pour dire que finalement, notre, notre figure verte qui est là, eh bien, elle a exactement la même aire que ce rectangle que je vais tracer maintenant. Il faut que je prenne une couleur qui se voit bien. C'est exactement la même aire que ce rectangle-là. J'espère que tu vois bien ce que je fais. Puisque là, j'ai le rectangle qui est le même que tout à l'heure, ici celui-là. Et puis, j'ai bien ces deux triangles rectangles identiques euh, qui sont là assurés en rouge. Hein. Donc finalement, j'ai vraiment décomposé ma figure verte et je l'ai réorganisé, je me retrouve avec une figure qui est un rectangle, donc du coup je sais calculer son air. Alors d'ailleurs, pour calculer l'air de ce rectangle que j'ai entouré en violet, ben je peux carrément compter le nombre de carrés qu'il y a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc l'aire de ce rectangle, c'est 20 unités au carré, puisque c'est 20 petits carreaux. Alors, j'aurais pu faire ça beaucoup plus rapidement, hein, tout simplement en disant, bon, ben, là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ce côté-là vaut 4 unités, et ce côté-là vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'aire du rectangle, eh c'est 4 fois 5, ça fait exactement 20, 20 petits carreaux. Donc en tout cas, quelle que soit la manière dont on calcule, cette, ce, ce rectangle-là, donc la, la figure verte, a pour r 20 euh, petits carrés. Alors maintenant, on va aller regarder les autres figures et pour essayer de calculer leur r. Alors la première ici, si je regarde, déjà, je vais regarder uniquement, je vais enlever le, le rectangle qui est le triangle qui est là, hein, je vais regarder uniquement cette partie-là, la partie qui est ici. Hein ce rectangle. Donc c'est-à-dire que je, je ne compte pas le, le triangle rectangle qui est là. Et là, bon, si je calcule l'air, je peux calculer, c'est un rectangle, donc je peux calculer l'air de cette surface-là, puisque ici j'ai 1, 2, 3, 4, et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'air de ce rectangle, bah, c'est déjà 20, 20 petits carreaux. Et là, en fait, ce que j'ai ici, bah, ça c'est... Ça, c'est en plus, hein, c'est extra. C'est d'une surface en plus. Donc finalement, l'aire de cette figure rose, elle est supérieure à l'air de la figure verte qui était ici. Hein. Donc ce n'est pas celle qu'on cherchait. Alors on va regarder maintenant la bleue. La bleue, c'est un rectangle, donc on peut facilement calculer son air. Là, j'ai 1, 2, 3. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc finalement, l'air de, ce, de cette figure, cette figure bleue, c'est 15. Voilà. Alors maintenant, il nous reste la rouge. La rouge, alors c'est un rectangle encore, donc son R c'est 1, 2, 3, 4, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 4 fois 5, donc c'est 20. Voilà, donc finalement la figure qui a la même R que la figure verte, et eh bien c'est la figure rouge. Voilà.